flottants, tous les types de bateaux vont et viennent au port. Pontons qui grincent, les filets de pêche, les bouées, les sirènes des bateaux, les chaînes des uns que vont descendre dans l'eau, les moteurs des bateaux, la coque des vieux bateaux qui craque, la mer qui s'agite, les poissons qui sautent, les gens qui se bousculent sur le port, les grues qui transportent les containers, les galions qui partent et qui arrivent, les marchands qui vendent aux passants leurs marchandises, les mouettes qui volent, les containers, les voitures de police galées, les vicorissables, les stands de marchands de fruits et légumes, les bâtiments, les palmiers, les oiseaux marins, le brouhaha des gens, les couverts de kebab, les pas sur le sol, les téléphones qui sonnent, les musiques orientales. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez venir ? Oui, bonjour. 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 Où avez-vous eu ces bateaux ? Ils vous appartiennent ? Oui, ce sont les miens. On me les prête depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui vous les prête ? Mon employeur. Quelle est votre profession exacte ? Comme vous pouvez le voir, j'ai un bateau de pêche. Je suis pêcheur. Et vous avez des preuves de vos pêches ? Oui, bien sûr, mon employeur. Avez-vous les papiers du bateau ? Mon employeur les a toujours avec lui. Et où pourrons-nous trouver votre employeur ? Je peux vous l'appeler si vous voulez. Faites vite. Monsieur Hassan ? Monsieur Hassan ? Monsieur Hassan ? Oui, j'arrive. Oui, c'est moi, Hassan. Quel est le problème ? Nous avons trouvé un bateau de votre compagnie qui a échoué avec des réfugiés, comme par hasard. Vous pouvez nous l'expliquer ? Je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. Tous ces bateaux vous appartiennent ? Ouais, tous. Je vais avoir les papiers des bateaux, s'il vous plaît. Bien sûr, ils sont à mon bureau, si vous permettez. Dépêchez-vous, faites vite. Puis-je avoir les papiers d'ordre de sortie de vos bateaux, s'il vous plaît ? Bien sûr. Dépêchez-vous, on n'a pas toute notre journée. Oui, je m'en doute, moi non plus. Rigolez pas trop. Et voilà. Merci. Vos heures de sortie sont tout de même étranges pour de la pêche. Vous savez, la pêche, c'est pas une science exacte, hein. On part à quand on part, à laquelle se remplit vite, on rentre à tôt, si elle se remplit pas, on rentre plus tard. Oui, ouais. Évidemment. Et à qui appartiennent ces deux autres bateaux ? Oui, ceux-là. À deux autres de mes employés. Est-il possible de les voir ? Oui, bien sûr, je peux les joindre. Très bien, dépêchez-vous. Bien. Bah, écoute, Adja, il y a des policiers au port. Oui, si vous pouviez venir le plus tôt possible, ils vous expliqueront sur place. Oui, la police. Oui, tout de suite. Oui. Ils arrivent ? Ils arrivent. Monsieur ? Bonjour. Madame ? Bonjour. Madame, quelle est votre profession exacte ? Alors moi, je suis pêcheuse. D'ailleurs, je pêche tous les jours avec Aïkout et Kousgoud. Et nous sommes des personnes honnêtes. Oui, bien sûr, tout le monde est honnête, madame. Évidemment. Et vous deux, vous avez les papiers de vos bateaux ? Non, je n'ai pas les papiers. Ah, évidemment. Comment se fait-il que vous soyez impliqué dans du trafic d'humains ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr. Savez-vous vraiment combien vous risquez tous les quatre ? Non. Bon, j'avoue, je fais partie de l'affaire. Mais je ne suis pas le seul. Mais c'est vrai, j'avoue, moi aussi, mais je faisais pas ça pour l'argent. Non. Moi, je faisais vraiment ça que pour l'argent. Ça, je peux, oui. Et vous ? Vous faites aussi partie du trafic ? Allez, très bien. Je vous interpelle tous.